Merci, les jeunes. La parole est Seigneur. Amen. Il y a quand même le témoignage commence. Il est qu'est-ce qui s'est passé en réalité et qu'est-ce que tu m'as béni et qu'est-ce que Dieu a fait. Je fais un travail qui c'est pas un travail définitif. C'est un travail que je remplace seulement chaque fois ma frère. C'était qu'un travail que je remplace un jour, deux jours. Des fois le mois, je remplace que pour 3 jours. Et là, je me suis dit. Mais le micro. Je vais parler à l'évangéliste pour qu'il puisse prier pour moi. Non, même pas prier, j'avais dit que je vais lui en parler quand même parce que je ne savais pas que j'en ai besoin de travailler. Et quand j'ai commencé à lui dire, il m'a dit, tu aimes ce travail? J'ai dit, oui papa, j'aime. Et tu le veux? J'ai dit, oui, je le veux. Ben vas-y, tu l'apprends. J'ai dit, ah, je le prends, je reçois. Et dès que j'avais dit, là maintenant, il n'y a qu'un mois, là c'est le mois d'avril qui est fini. J'ai travaillé du 3 avril au 30 avril. Alléluia. Il y a pas de notre témoignage. Je sais là où il nous amène. Amen. 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 Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Hier, ça faisait mon deuxième CDD. Mmh. Mais ça a failli me passer comme ça parce qu'il y a eu un complot au travail. Mmh. Et il y a eu lundi dernier, il y a une collègue qui est venue me dire « On ne va pas te garder. On ne me gardera pas. On ne te gardera pas. » Parce qu'il paraît qu'on raconte des choses sur toi, tu ne travailles pas bien et tout. Donc quand elle a dit ça, je lui ai dit « Mais c'est pas possible parce que tout le monde disait que... je travaillais très bien et que je n'avais pas de soucis à me faire, que j'allais avoir le CDI. Et quand elle a dit ça, j'ai dit à deux collègues, ce sont des musulmanes, qui m'ont dit, ton Dieu ne te laissera pas. Amen. Je dis non, peut-être qu'il veut que je parte, j'étais découragée. Tu crois que ton Dieu va te laisser? Et j'ai voulu appeler ma fille pour lui dire, ah c'est chaud. Et la voix me dit, tais-toi. L'une d'entre elles vient me dire, ne parle pas. La deuxième, qui est une Algérienne, me fait. Et ma collègue allait voir la directrice, elle lui a dit, mais j'entends qu'il y a un complot, parce qu'il y avait eu un complot, il y a un travail qui est arrivé, ce n'est pas moi qui ai fait, mais mon nom était dessus. Tout le monde savait que ce n'était pas moi, mais pourquoi est-ce qu'il y avait mon nom? Et on a compris que c'était quelque chose de pas clair. Donc elle va dire à la directrice, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je vais regarder, dans 3 jours, je donne la réponse. On était lundi, donc 3 jours, c'était jeudi. Je suis rentrée chez moi, j'étais découragée. Je me suis couchée, je n'avais pas la force de crier. Je suis allée me coucher et puis la voix me dit, mais si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, comment tu veux que j'agisse? Je me suis couchée, j'ai dit, toi-même tu sais tout ce qui s'est passé dans la journée, donc vraiment, tu sais, fais quelque chose. J'ai pas prié. Au milieu de la nuit, j'ai eu envie d'aller faire pipi. Je dis non, je ne me lève pas, je vais attendre le matin. En même temps, une crampe, mais terrible, a saisi ma jambe. Donc je me suis levée. Dès que j'ai mis le pied par terre, c'est parti. Je me suis dit, il y a quelque chose de spécial. Je dis, j'ai compris. Je suis allée au salon. Où tu t'es assis? Je me suis mise à genoux. Là où je t'ai assis? Oui. Tu as dit toi aussi, tu veux expérimenter? Oui. Je veux expérimenter. Donc je me suis mise à genoux, j'ai mis ma tête comme ça, j'ai fermé les yeux pendant 10 minutes, je n'ai même pas parlé. Et puis après, je dis, ah Seigneur, toi-même tu vois le complot qui se lève contre moi. Mais si tu veux que je reste dans ce travail, je dis amen, si tu veux que je parte, ainsi soit-il. Tout ce que je sais, c'est que si tu fermes cette porte, je sais que tu vas ouvrir une autre. Parce que tu as pour moi des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc merci qu'il en soit fait selon ta volonté. Je me suis levée. Quand j'allais dans la chambre, j'entends tout ce que tu as demandé, crois que tu l'as reçu. Amen. Et je réfléchis, j'étais en train de chercher le passage dans la Bible. Tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Non, non, non. Tout ce que tu demandes, crois que tu l'as reçu. Je vais me coucher. Je dis, Seigneur, montre-moi.
Mais dans la nuit, je vois quelqu'un qui vient vers moi, une européenne, qui me fait comme. Donc je comprends pas. Elle me fait le signe comme ça. Et la troisième fois, c'était j'ai compris, mais tu ne comprends pas que c'est lui. Donc je fais comme ça. Et oui. Je dis merci Seigneur. Et après, je vois ma directrice qui vient avec des documents, en souriant, dans le rêve. Et je suis retournée travailler, j'étais triste, je ne voulais même pas y aller, j'ai dit de toute façon le travail c'est fini pour moi et tout. Et il y a une chanson que, de Gaël, Yaya Sekele, c'est-à-dire Dieu, ça dit dedans que Dieu est mon secret, pour la signature des contrats, il est mon secret et tout. Donc cette chanson-là venait ça en Ghana, nous tous on est congolais maintenant. Donc je chantais intérieurement et après la directrice nous a réunis pour quelque chose et la voix me dit va chanter ça à l'oreille de celle qui m'a dit que c'est fini, qu'on va me licencier. En congolais là. Oui. Et il a entendu aussi ça. Donc je me suis dit mais comment je vais aller chanter quelque chose à l'oreille de quelqu'un qui travaille. Je ne pouvais pas. Et après je suis allée dans son oreille, lui dit Yaya Sekele, Sekele ma banque. Le rêve est devenu réel. Tu peux venir dans mon bureau. Je me suis levée chez nous, handicapé, moi on n'a pas peur du couteau. C'est-à-dire que tu es déjà mort, même si on prend un couteau, tu n'as pas peur. Je me suis levée. Je suis allée dans son bureau tranquillement. Elle me dit, tu sais pourquoi je t'appelle? Ton contrat se termine le 30. Mais tu es quelqu'un qui travaille bien. Tu es quelqu'un de sérieux. Elle a commencé à me lancer des fleurs. Bon voilà, Joséphine. Nouvelle, ton CDI, tu l'as. Tu es contente, wow. Tout ce que j'ai dit, merci Seigneur. Et maintenant, vous commencez à couler. Je vais m'asseoir, elle me regarde. Elle soit arrivée là. Je marche, je vais jusqu'à mon poste, je m'assois. Elle est restée là, me regarder comme si elle ne comprenait pas. Et j'ai une de mes collègues qui m'a dit, mais tu leur fais peur. Et il paraît que pendant que tous les subs s'étaient réunis, je n'ai eu personne pour me défendre. Ah. Mais moi, l'avocat que j'avais, parce que quand elle appelle les gens pour leur dire qu'ils ont le CDI, elle est avec d'autres subs. Mais elle est rentrée dans le bureau avec moi. On n'était que tous les deux. Tous les deux. Et moi, j'avais l'avocat des avocats avec Amen. Moi. Amen. Vraiment, tout s'est fait et j'ai compris que c'était vraiment Dieu qui avait permis. Parce que moi, j'ai dit que si le Seigneur me donne quelque chose, je saurais que c'est lui. Donc, il a permis. Amen. La Bible dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu l'as condamné. Et à la fin, il dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Comme signature, il dit, tel est l'héritage des serviteurs, servantes de l'éternel. Mais toi qui ne sers pas Dieu, comment veux-tu que Dieu te défende? C'est parce qu'elle sert Dieu dans cette église. Tous ceux qui ont commencé avec moi, ils ont tous fui. À part elle, sa fille et quelques sœurs qui sont restées avec moi ici. D'autres, je ne citerai pas les noms parce qu'elles veulent rester à l'anonymat. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas beaucoup qui sont restés. Mais vous qui persévérez avec moi, je vous avais dit depuis, Oisel, j'avais dit, vous qui êtes restés avec moi, quand je serai assis sur le trône de gloire, vous allez aussi vous asseoir sur le 12 trône, dit le Seigneur. Je t'avais dit, tu n'es pas ce que tu crois être.